Bonjour et bienvenue. Au final, la dernière vidéo, je crois qu'on n'a pas fait de combat. Dernier épisode. Bah, c'était un peu. Enfin, on va dire. Demander de faire une pause et expliquer ce qui s'était passé, les avancements et tout dans la quête, les changements de mes personnages et tout ça. Parce qu'en fait, il s'est passé pas mal de petits événements. Mais il n'y a pas eu des combats intéressants à montrer. Je vais pas vous remontrer un nid. Je vais pas vous remontrer. Les autres endroits là. Merde, c'est quoi déjà? Bon, la citadelle, peut-être que je vous remontrerai une citadelle par contre. Mais genre une tanière et tout ça. Une tanière, je crois que je vous l'ai montré une seule fois. Honnêtement, c'est devenu. Enfin, peut-être que je pourrais vous montrer deux fois parce que les nids, je crois que je les ai montrés deux fois. Peut-être qu'on refera une tanière d'ici là. Mais c'est devenu extrêmement simple dans le sens où des fois, j'ai même pas besoin d'aller à l'écloserie là. Je reste de loin. Les snipers, ils ont une vue dessus. Parce qu'on a, beaucoup de... Ils arrivent à voir de très loin, en fait, maintenant. Donc, j'arrive à tirer dessus. Les tourelles, j'arrive à les placer et tirer en boucle dessus. On a Adèle qui a les lasers. Elle peut aussi tirer dessus. Enfin, voilà. C'est... Les lasers... Honnêtement, j'ai envie, dans un sens, de tester. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont fait des évis, donc des mastodons, couplé avec des infiltrés pour avoir le 50% là. Attendez que je vous montre tout. J'aime bien tout vous montrer pendant que je parle parce que sinon, des fois mes explications elles sont pas très claires. Attaque furtive, genre augmente les dégâts de 50% si vous n'êtes pas détecté. Et ben par exemple pour ces lieux-là, là, les tanières, ben, c'est vachement bien en fait, il paraît. J'ai vu pas mal de petites vidéos comme ça où les gens avaient genre 5 ou 6 mastodon infiltré avec le laser parce que la portée c'est 999, donc en gros c'est extrêmement précis, ça va tirer où vous visez quoi, vous voyez ce que je veux dire, c'est 100% la visée. Et du coup bah, les gens ils tiraient sur ça de loin, ils se mettaient même en hauteur s'ils peuvent et ils tiraient de loin. Donc ça aussi c'est vachement sympa. Il y a pas mal de, faut pas dire que c'est cheaté, en fait c'est juste stratégique en fait, mais il y a pas mal de, j'ai envie de dire, dans ce jeu où vous prenez plusieurs fois la même classe et vous faites plus ou moins les mêmes builds et ils se complètent entre eux en fait au final, alors que c'est les mêmes builds, vous voyez ce que je veux dire? C'est genre un certain type de jeu, genre pour une équipe. Ça marche super bien dans le jeu, ça marche méga méga bien. Genre si on avait plein de mastodons infiltrés, je pense qu'on ferait des bons dégâts. Alors après, je pense que ça va pas être trop fiable pour toutes les types de missions. Mais genre si on a ça partout, ça serait déjà extrêmement puissant. Parce que le laser fait pas trop mal, ses dégâts 70, ça fait 3 tirs à chaque fois. Et vous pouvez tirer qu'une seule fois. Vous voyez, ça aussi c'est un problème. C'est que vous pouvez tirer qu'une seule fois par tour. Même si vous avez encore des munitions et tout ça, c'est limité à une seule fois. C'est comme le lance-roquette pareil, c'est limité à une seule fois. Par personne, hein, je parle. Hein. Donc du coup c'est pour ça que c'est un seul point d'action. Et après bah, vous avez 3 points d'action. Qu'est-ce que vous faites pendant les 3 points d'action? Vous vous touchez, vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous avez plusieurs personnes comme ça avec ça, du coup bah, vous pouvez tirer si vous avez 8 personnes, vous pouvez tirer 8 fois par tour. Donc 8 fois avec des lasers extrêmement précis. Là ça devient intéressant. C'est pour ça que ce jeu en fait fonctionne bien avec des choses comme ça. C'est comme les tourelles et tout ça. J'essaye de me rappeler de ce que j'ai changé, mais je crois que j'ai pas fait de changement depuis le dernier épisode, donc j'ai rien à vous montrer. Ouais, non, je crois pas que j'ai fait des changements. Mais voilà, c'est un peu comme le même système des tourelles. Le fait d'en avoir plein, du coup, ça se complète, parce qu'ils peuvent tous utiliser, par exemple, contrôle à distance. Donc, dès que vous en avez posé 5-6 de tourelles, et c'est beaucoup, hein, déjà, ça fait 6 personnes, en gros, qui jouent en plus. Et bien, à chaque fois, ça coûte 2 points d'action, donc vous pouvez le faire 2 fois par technicien. Donc, du coup, si vous avez 5 techniciens, c'est 10 fois 10 tours, en fait, pour les tourelles en plus. Et en plus des tourelles elles-mêmes, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, les dégâts, ça pète le toit, quoi. C'est énorme, ça va très très haut, en fait, le nombre de dégâts que vous pouvez faire. Donc, ouais, il y a beaucoup de trucs comme ça. Et j'ai limite envie, moi, de faire genre que des techniciens. Que des techniciens, ça m'intéresse beaucoup. Et après, ce qui m'intéresse aussi, ça serait des prêtres infiltrés, genre qui sont quasiment invisibles. Faut que je boive un peu, désolé, attendez.
quasiment en fait invisible aux ennemis, car ils peuvent toujours, ils ont une grosse, mince, attendez, oh, mes infiltrés. Ils ont une bonne furtivité de base, et puis après, genre avec ça, avec, non pas ça, bah non, bah, elle a pas l'habilité elle. Mais après, vous faites ça, genre disparaître et tout, comme ça vous faites jamais toucher, vous mettez des leurres et tout ça. Et après, vous prenez le contrôle, en fait, petit à petit des ennemis. Et vous les faites se tuer entre eux, quoi. Mais après, ça marche très bien pour tout ce qui est humain. Parce que tout ce qui est humain, ils ont pas beaucoup de morale. Ils ont peut-être 17, je crois, maximum. 17 ou 18. Donc, vous pouvez les prendre contrôle directement quand vous avez un bon prêtre. Parce qu'elle, elle doit avoir 25, 26, un truc comme ça, de base. Et après, c'est seulement 2 par tour. Donc là, vous voyez que vous pouvez, en fait, prendre le contrôle des humains et vraiment les faire s'entretuer très, très, très facilement. Donc voilà, ça c'est un exemple. Mais après, contre les pandoriens, ça c'est autre chose, ça sera moins efficace. Vous voyez, c'est, en fait, il y a toujours une grosse efficacité sur un certain type. Qu'est-ce que je... J'ai pris un prêtre, je pense que j'avais déjà montré, il a bien préparé, et guérisseur. Oui, je l'avais déjà montré, ouais. Donc ça, ce sera sûrement un futur prêtre technicien. Il y en a un que j'attends aussi, je crois, c'est lui. Ouais, lui, il a voleur. Et sniper, donc furtivité, donc ça peut être un... Honnêtement, j'ai même déjà envie de lui mettre infiltré. Comme ça, je pense à ce que ça sera. Genre, ouais, on pourrait mettre infiltré, un entraînement d'infiltré. Ouais, ça sera ça, lui, par exemple. Lui, il est parfait pour ça. Tireur à longue distance, plus voleur. Notre Aspida est là. Donc, en tout cas, dans cette vidéo, on va faire une mission d'histoire. J'avais promis qu'on en ferait. Donc, on a les Manticores qui sont en route pour... Ah oui, lui, il va là pour changer les armes. Parce que j'ai encore 2 éclairs HC9 à placer sur le Manticore 1. Le Manticore 2, il les a déjà. Parce qu'on doit commencer à détruire les choses du Behemoth. Après, on a Manticore 2... bah, qui est en route du coup parce que j'ai défendu une base ici. Donc les Helios 1 et 2 ils sont à la mission le vrai fléau, donc ça c'est c'est de Synédrion, stopper la révolte malthusienne, un groupe d'antinatalistes radicaux ayant déclaré la guerre au Synédrion et au projet Phoenix. Et après nous avons Helios Transport 1 et 2 qui vont aller ici. Donc ça, c'est récupérer, sécuriser la Spida. Donc on n'a pas la A-Team, hein, mais normalement, ça devrait aller avec ces 5 personnes plus le véhicule. Ça devrait fonctionner. Genre Helios Transport 2, ils ont quoi? Helios Transport 2... On a un assaut sniper technicien lourd, et après on a Isla. Isla, elle était bonne de base. Ouais, elle est bonne de base, elle. Mais elle a juste insouciant. C'est celle qu'on utilisait, en fait, de sniper, parce qu'elle avait insouciant. Mais bon, maintenant, vu qu'on en a une autre, qui est un peu mieux. Donc voilà, elle passe en Helios Transport 2. donc voilà. Je crois que on devrait leur mettre des noms, en fait, parce que Transport, ça fait con. Mais genre Helios... je sais pas, genre... Helios Alpha, genre 1 et 2. Et Helios Beta, 1 et 2. Au lieu de team 1, team 2, transport 1, transport 2, je sais pas, un truc comme ça. Enfin voilà, on verra. Peut-être que je changerai pour alpha et bêta. Et les Manticores, faudrait les, je sais pas, les changer pour intercepteur ou un truc comme ça. Donc voilà, ça va être... En théorie, on devrait avoir 2 missions d'affilée s'il n'y a pas de conneries qui se passent entre-temps. Mais bon, les conneries entre-temps, c'est ça. C'est les sites pandoriens. J'en ai 5, j'en ai détecté 5 en tout. Donc ça va du nid... jusqu'à la citadelle. Donc voilà, c'est un peu casse-couille, mais bon, c'est comme ça. Il y a beaucoup de choses à chaque fois. En tout cas, c'est parti. Alors, le groupe antinataliste radical qui se fait appeler la révolte malthusienne croit que l'humanité et non les pandoriens constituent la plus grande menace pour l'écosystème. Ils ont déclaré la guerre à Synédrion et au projet Phoenix et ils ont déjà pris plusieurs vies. Cette attaque aura pour but de les empêcher de nuire pour de bon. Ça marche. Alors celle-là par contre, je sais pas si je l'ai faite ou pas cette mission. Si je l'ai déjà faite avant ou pas.
Parce que j'ai jamais fini le jeu, hein. Donc je sais qu'à un moment je me suis arrêté. Non, on a ça, ça, ok. Il y a Kerstin, je suis en train de faire une autre arbalète de poison. J'ai pris arbalète de poison parce qu'elle est infiltrée au lieu du pistolet en fait du coup. C'est un peu lourd par contre, j'avoue que c'est un peu lourd, 17. Elle avait déjà du poids en fait, donc ça va, ça passe. Mais c'est un peu lourd, mais voilà. Du coup, sniper, araignée, et après ça, c'est un seul point d'action aussi. Et ça fait du poison en plus, donc ça c'est vachement bien. Surtout qu'elle peut tirer des 3 tirs du coup. Enfin c'est un point d'action, elle en a 4 de points d'action, mais bon, il n'y a que 3 balles dedans, il faut recharger après. Et on les a pas en raccourci, donc du coup ça va lui prendre un point d'action, vous voyez ce que je veux dire? Mais ouais, ça peut être... c'est pas mal. C'est pas mal d'avoir ce petit côté poison aussi en fait en rajout. Elle aussi, il faudra que... Pour l'instant je lui ai mis ça déjà parce que je vais la mettre infiltrée. Dans pas longtemps, mais ouais. Par contre, elle a vraiment zéro volonté, donc elle, c'est un peu chiant, quoi. C'est un peu chiant. Surtout que ça, c'est pas vraiment super, en fait. Donc, je suis en train de me dire que mince, l'autre que on a vu là est mieux, en fait. Ouais. Faudrait que je prenne l'autre. Oh là là, je vais devoir faire encore un changement de personnel. Oh là là, merde. Attendez une seconde. C'est bien ça, hein? Ah oui, mais il est pas encore augmenté. Oui, il est pas encore ce... Ouais, lui, il a les deux. Ouais, lui, ça serait pas mal. Ouais. Puis, il a déjà 12 de volonté. Ouais. Pas grave. De toute façon, hein, c'est ce qu'on fait. Hein. C'est petit à petit, on commence à trier... À trier les gens et on prend ceux qui sont, on va dire, en gros parfaits pour le combat. Enfin, parfaits pour les builds, en fait. C'est un peu ça. Petit à petit, on commence à faire du tri, quoi. En gros, c'est ce qui se passe. Donc, ouais, ça avance. Il y a que ouais, que les prêtres. Y a là, le prêtre que j'ai pris va être bon, mais bon, ça va prendre un peu de temps. Après, avec 5. Station là d'entraînement, honnêtement ça va vite. Hein. Ça va vite. En moins d'une journée, je crois, ils peuvent être niveau 7. Hein. Je crois. Hein. Je suis pas trop sûr. Non, peut-être. Ouais, c'est peut-être un peu abusé. Je sais pas. Non, peut-être. Peut-être, peut-être. Ok, alors. Alors, c'est que des indépendants. Ça devrait aller. Par contre, ils ont beaucoup de vie, les indépendants. 250 points de vie. Il y en a là aussi. Ah, par contre, ils ont des greux. Faites, font chier. Par contre, ils sont au niveau, ces cons. Je vois qu'ils ont tireur pro. Ah, ils sont niveau 7, hein. Alors. Bon, vous voyez, du coup, je pourrais les contrôler. Ils ont combien de morale? Je vais voir un peu. De volonté 20, ouais, je pourrais les contrôler. J'ai 25, mais bon, il faut arriver à leur portée, quoi. Ça, c'est chiant, ça. Par contre, la panique, elle a pas de portée. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est pour ça que c'est pas mal la panique. Suffit juste que on ait plus de volonté, et du coup, bah, ça passe. Donc, ça, c'est vraiment bien. Faut juste avoir une vue directe, peut-être, je pense. Donc, ouais. Ça, c'est une bonne chose. La panique, peut-être je mettrai sur notre technicien pur et dur là. Bref. C'est con parce que toi t'es en première ligne. Woodstich. Ah, ils ont des araignées de d'infiltrés. Intéressant. Marrant ça. C'est marrant ça. J'ai envie bien de faire ça. Parce que là, on est vraiment très très mal positionné. What's our plan? Standing by. On est juste très mal positionné en fait.
Alors attention aux oreilles. Non mais sérieux, ça passe dans le rouge, l'audio quoi. Incroyable. Ils ont combien eux de 18. Est-ce qu'on peut sniper des trucs vite fait ou pas? Non, pas vraiment. Putain, c'est un emplacement de merde d'une force. C'est incroyable, quoi. J'aimerais bien les mettre là, mais elles sont trop basses après. Peut-être mettre une là. Toi, t'as encore 3 points. Ok. J'y vais un peu doucement parce que là, c'est un peu la merde en fait. Je vais être honnête, je pense que je vais faire full requête et grenade sur les trois là. Parce que les tuer ça va être galère, ils ont 250 points de vie en plus. Elle voit rien. Elle voit pas grand chose. Ouais. Ouais, je pense que ça va être full requête, full badaboom là. Pour éviter, pour faire un peu le ménage en fait. Par contre, elle est mal placée évidemment. Attends, on va se placer là pour le moment. En plus, on a les... Ah, c'est pas... C'est... On fait pas dans la dentelle, hein. On a aussi les araignées à détruire. Hop. Si ces trucs elles arrivent sur mon équipe et qu'elles explosent, c'est la merde. Ah, il y a tout le monde qui prend des points de volonté, c'est vrai. Attends, alors attends. Faudrait peut-être les utiliser, les points de volonté. Ce qu'on peut faire, c'est... Qui... Ok, toi. Il y a lui, il faudrait se le faire aussi. Toi, t'as vu sur qui? Attends. On peut peut-être faire... Je vais voir. Toi, il te reste 3 points. On pourrait faire ça. Voilà. Let's try this. Toi, t'as 30. Tu peux tout. T'es toujours opérationnel, c'est ça qui me fait chier. Ça va. On a plus de grenades, on a plus de grenades, ok.
Ah, c'est ça coûte cher, hein, mais bon, vu qu'on combat des trucs un peu vénères. Encore heureux que tu lui as touché le bras, hein, putain. Donc ça c'est bon. Et encore celui-là qui est un peu, qui est légèrement un danger. Here. Le bras. Faut viser les parties à chaque fois. Vous voyez, si vous avez des mastodons en fait qui peuvent faire ça. En plus, surtout que le jetpack ça coûte 3 et ça, ça coûte 1. Donc, en théorie, vous pouvez faire ça constamment quoi. Genre, vous sautez et puis après vous. Vous faites le laser, genre vous vous mettez à bonne distance et après vous, vous faites le laser. C'est très puissant en fait. What's our move? Ok, on va voir un peu. Pour l'instant on va... Pour l'instant on va faire ça. Ce que je veux voir où vont les gens parce que... Je sais pas trop où vont aller les gens. Ah, bah il est là l'infiltré. Ça marche. Je crois que... Je crois qu'on va être bon. Voilà. Ah, il y en a une troisième. Oh, il y en a plein partout en fait. Là, en gros, la difficulté, c'est ça. Ah putain, on a tout détruit mes trois. Un peu moins résistant maintenant lui, mais la paralysie je pense est plus intéressante. En fait faudrait le changer de temps en temps, genre faudrait mettre paralysie si on veut attraper des trucs et défense si on veut qu'il soit résistant, genre le régène. Ah, y a un autre infiltré. Bien. Tu tires sur quoi, le la tourelle ou le double? Ah, saloperie. La tourelle, bordel. Le régène serait le bienvenu pour notre copain.
fait peur, lui. Ça va. Ouais, c'est pas fini, putain. Eh ben. Ah, lui par contre, c'est vrai que le régène, ça l'aiderait bien. Hein. Là, il faudrait le mettre à saut en fait, lui. Parce que là, je crois qu'il pourrait faire un malheur. Genre on le met à saut, il tape tout le monde, il récupère des points à chaque fois. Vous voyez, des trucs comme ça. Ça peut être vraiment bien. Bon, beaucoup de gens. On va dire qu'on a beaucoup à tuer du coup. C'est quand même la merde. Déjà, on va regarder ce que peuvent faire les snipers. L'araignée aussi. Intéressant. Intéressant. Ah bah... Là, oui, ça va être pas mal, là. Qu'est-ce que... Je peux prendre le contrôle de quelqu'un? Non, on va pas prendre le contrôle de quelqu'un. Bah, c'est combien de tours? Faut que je m'avance, en fait. Le problème, c'est qu'il faut que je m'avance. Et ça me ferait... Ouais, elle a pas de déplacement. Non, mais laisse tomber. Non, non, on va faire ça, la tourelle. On va faire ça à la tourelle. Toi, t'es mal placé, ça c'est con. Ah, ça va pas être simple, hein, encore une fois. Pas être simple. Looking for an angle. Beaucoup d'ennemis. Il faut qu'on sauve notre petit crabe. Sans déconner, quoi. Sans déconner! Faire du renforcement, je pense. Bien. Il y en a qui paniquent, c'est très bien. On va sûrement pouvoir tuer quelques-uns et après on va pouvoir se... faire quelque chose. Alors toi tu pourrais faire pousser d'adrénaline, tu tues lui, tu te soignes. Il y a que les... Par contre les araignées elles vont pas pouvoir... elles vont pas avoir peur donc ça va être la merde. Alors qui c'est que là on a encore dans le groupe?
Toi, t'as encore un point. Là, comme ça. Alors, toi. Ouais, là, en assaut, parce que j'ai pensé à faire mastodon. Mais c'est vrai qu'en assaut, ça serait mieux, je crois. Puis en plus, s'il est blessé, il pourrait aller plus loin. Bon, j'ai pas pris l'habilité parce que je suis nul, hein, mais c'est pour dire. Poussée d'adrénaline. Alors, déjà, on va se soigner. Voilà. Alors, si je vais là, je tape. Vous voyez, là, on récupérait 2 points avec assaut. Puis après, on continue, en fait. Et plus on les tape, et plus on les défonce, en fait. Ouais, ça pourrait être vachement bien. Ouais, ça pourrait être super, super bien. Et en plus, on peut faire courir si jamais on est trop loin. Ouais, bon, lui, il va passer assaut. Lui, il va complètement passer assaut. Ça y est, j'ai pris ma décision. Je crois qu'il y a des builds comme ça, genre Terminator. Nous, on l'a fait muter, mais je crois pas qu'on peut passer en... Terminator, en fait, c'est parce qu'il est en robotique. Mais nous, je crois pas qu'on peut le faire passer en robotique. Je sais pas, faudra voir si on peut faire passer de mutation à robotique. Alors, attends, on va essayer de faire un peu plus de carnage. C'est pas une mission facile, hein, honnêtement. Il y en a beaucoup, hein, des gens. Alors là, on a quoi? On a encore 8 sur 11. 8 points sur 11. Eux, ils ont joué. Il reste plus que les assauts et le mastodon. Alors, on a plus de... On a plus de grenades. Il y a ceux en hauteur qui sont en panique, ce qui est bien. Qu'elle avance, elle. Courir. Pushing on. Ready to fire. Il y a les robots qui vont me poser problème, je crois. Ouais, ils vont me poser problème. En plus, ils ont 32. Toi, tu restes un danger, toi. Receiving loud and clear. On peut faire du liquidation rapide. Elles explosent pas, ça là, si on les tue. M'étonnerait quand même. La question, c'est est-ce que je vais pouvoir les tuer? Ouais, ça va. Ok, ça c'est un. Toi, on n'a pas vraiment besoin de te tuer. Se mettre là. Moving. Est-ce qu'on peut te tuer avec ça? Ça me ferait gagner un point, en fait. Oui. Très bien. Ça qui est pas mal avec cette arme aussi. Genre un tir et tout ça. Après, on peut lui mettre fusil à pompe. Ah ouais, non, fusil à pompe, c'est 2. Non, non, non. C'est, honnêtement, c'est un bon choix, là, ce qu'on a fait. C'est un très bon choix. Let's go.
Preparing to fire. Pourquoi tu te mets de ce coin-là? Tu te fous de ma gueule? Mets-toi là. Non? Tu fais exprès ou t'es un peu teubé, c'est ça? Alors on t'a bercé trop près du mur, c'est ça? Là, je suis pas sûr de les tuer, hein. Normalement, honnêtement, oui, mais... Ouais, bah, me fait chier, l'araignée, là. Moving. Aiming. Ok. Ah, maintenant, je suis obligé de... J'aurais dû peut-être tirer sur lui avant. Vas-y. Ok. T'as combien? Tu paniques pas, toi? T'as 20 de volonté. Je pense qu'on est à la fin du carnage. Let's go. Ouh, en plein dans la tête. Bien joué. Pas mal, pas mal, pas mal. Là, c'était un bon jeu, là. C'était un bon jeu. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'on peut faire pareil? Liquidation rapide, c'est parti. Alors... J'aurais dû m'avancer encore plus. Enfin, c'est pas grave. Donc toi, je peux sûrement te tuer, fais voir. Je vais peut-être pas le faire maintenant. Ouais, je peux sûrement te tuer. On va se mettre là. Moving. On va faire ça. Here goes nothing. Oh! Enemy killed. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ou alors on le brûle. Non, on va lui tirer dessus. Ok. Pas mal. Bon bah du coup... Après on peut l'avancer. De toute façon, les autres ils sont en panique, surtout. Avec tout ce qu'on a fait. Limite, toi aussi tu peux avancer. Le problème, c'est que. Ouais, enfin, tu régènes pas. Tu t'as plus de défense, quoi. Ah, il avait encore un point. J'aurais pu récupérer. J'aurais pu faire repos. Ça coûte un point. C'est pas grave. Toi, t'as joué. Toi t'as joué. Toi t'as joué. Ouais. Take a quick break. Pas mal. Catch my breath. C'est pas mal. Bon, du coup il faut avancer quoi. J'ai vu qu'il y avait des gens là. What's our move? Target detected. Let's go. Ready to engage. Bonjour. On peut tout mettre dans la tête. Je crois qu'il n'y a plus personne. On va pas faire liquidation rapide. Quoique, t'as encore 9 sur 9 en fait. Donc bon, dans un sens, ça te permet d'avancer encore plus. Je lui ai mis quoi, lui? Je m'en rappelle pas. Ah oui, Berserker, lui. Ouais, lui, il sera Berserker. Lui, il est Berserker. Donc, il prend moins de dégâts. Et il pourrait tirer, genre, quand on aura adrénaline, là. Il pourra tirer plusieurs fois, et ça coûtera un seul point. Genre, à la limite, ça... Attends.
C'est quoi, adrénaline? Ça réduit à 1, c'est ça. Hein. Coûte un maximum... Oui, de 1, ok. Donc, là, on pourrait lui mettre un fusil à pompe à lui, par exemple. Quand il fait coup d'adrénaline. Parce que le fusil à pompe, il va coûter qu'un seul. Comme le fusil d'assaut. Bon, là, il y en a encore un au-dessus et tout ça. Ça, c'est un peu la merde, par contre. Est-ce qu'on peut faire des trous dans le mur? M'étonnerait. C'est du laser. J'ai plus d'explosifs. C'est un peu embêtant. Ah, coup d'adrénaline. Pas mal. Je peux faire offensive sur lui, ça lui donnera deux en place, deux trucs. On peut aller tuer lui. I'm ready. Voilà. Hop. Vous voyez là, s'il avait la tuerie là, d'affilée là. 176. Ouais, là il récupère. Là je pourrais vraiment défoncer les trucs quoi. Ouais. Ah ouais, on pourrait, ouais. Là on commence à avoir des choses intéressantes en fait. 8 sur 11. Quand tu tues, tu récupères de l'adrénaline ou quoi? Enfin, des points d'action ou quoi? Enfin, des points de machin. Ah, vous m'avez compris. Hop. Qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Non. Bon, il reste plus que des gens en haut. Je sais pas trop comment y aller, ça m'embête ça. Attends, ça c'est 2, ça c'est 5. Ça ferait 7. J'ai plus de tir, j'ai rien dit. Ah, c'est parce qu'il y a un petit toit en fait. Ok, ça marche. Taking action. Ah, c'est bête. Ouais. Si j'avais su, j'aurais pas bougé, j'aurais pu faire cri de guerre. Ouais, ça c'est con ça. Déployer un leurre. Je peux pas la balancer aussi loin. Ah, c'est bête de pas avoir frénésie sur soi-même. Hein. C'est très bête. Ce
Sniper. Ça, c'est en plus, c'est gratuit. Ah, ça coûte aucune volonté. Oui. L'arbalète. Ça coûte zéro de volonté. C'est pas mal, ça. On va mettre ça parce que on est un peu exposé, là. Qu'est-ce qu'il nous reste? Un peu en arrière, du coup. Providing Overwatch. Toi, tu peux encore un peu courir. Je pense qu'il n'y a que les deux du haut. Hein. Ouais, on les aurait vus. Là. Celui-là a le détecteur de mouvement et tout, lui. Donc, par où on passe? Faut repasser par l'extérieur. T'as encore deux points. Never give up. On va se mettre là. Playing it safe. Pas les tourelles, bordel. Vous savez combien ça coûte? Qui c'est qui crie comme ça? Qu'est-ce qui crie comme ça? Comms online. T'es sérieux? Ça a l'air d'être super chaud. Je voudrais bien pouvoir voir la vue en. Ah si, oui, il y a un petit muret, ils sont en hauteur, ils sont en renfoncement. Ouais, ouais, non, mais je comprends pourquoi. Je comprends. Ready. Repositioning. Hope this works. L'autre elle est en panique. Targeting. Toc toc. Fait chier ce que le laser au final, c'est vrai qu'il est. Il est bien parce que ça tire plusieurs fois. Mais ouais, c'est pas. Oh là là. Je vais voir ça. Un peu. Ouais, le truc, c'est que ça, si j'utilise cette habilité, c'est mieux avec le laser. C'est mieux avec le laser parce que les rafales sont plus grandes en fait. C'est 6 tirs à chaque rafale. Donc là, c'est mieux, mais c'est vrai que bah, ça manque du fait que ça ignore le blindage. Donc pour des choses comme ça, le laser est moins bien. Donc je sais pas. Au final, c'est rare hein, d'utiliser ça. Ouais, je pense que je vais repasser au truc qui transperce. Il y a plus de chances de tuer au final. C'est plus intéressant, c'est plus safe en fait. Alors, si vous arrivez maintenant, alliez au projet Phoenix et coopérez pour trouver une solution contre la menace pandorienne. Le projet Phoenix peut désormais activement participer au projet de recherche de Synedrium. So, it's done. I can't say I feel sorry for them. Their beliefs were just too poisonous for that. But it is a terrible business, transforming the world, isn't it? So much bloodshed. We should never get used to it. Never. There may not be a choice now, but we have to remember that the whole point of all this conflict is to achieve peace. To break out of the old patterns and seize control of our fate. The hardest task in human history, but the most necessary. I believe that this alliance between the Phoenix Project and Synedrion is going to be a big part of that. Together, we can do this. We can win. Uh-huh. I think we always had something in common. Synedrion's values are rooted in the same principles as those of the Phoenix Project.
Now's our chance to turn those values into reality. Pas mal. Ça me plaît. Alors du coup, est-ce que j'ai accès aux missions des autres? Bon, si on n'a plus accès, si on peut pas faire les trois, c'est pas grave. Non, on a toujours accès. Non, non. Pour le moment, on est bon. J'imagine que peut-être plus tard, on aura un choix à faire. Genre, qui choisir? Parce que ça m'étonnerait qu'on puisse choisir les trois, parce que regardez-moi ça, le bordel que c'est. Alors, fais voir. Normalement, maintenant, on a toutes les recherches de Cynidon. C'était quoi, ça? Détection de menaces multisensorielles. Un module multisensoriel avancé viendrait judicieusement compléter l'équipement des infiltrés. Ok. Je sais pas à quoi ça sert. Ça m'intéresse. C'est leur dernière technologie, apparemment. Attends, d'abord, on va finir ça... Ça. Attends, on va les remettre dans l'ordre. Ouais, nanite d'abord pour le soin. Technologie de base avancée et après détection de ça. Ouais. Bon, bah c'est bien. Ça s'est bien passé. Donc avant que j'oublie. Donc, ouais, au final, c'était une bonne idée le laser, mais ouais, c'est pas assez bon. Il faut ça. Il y a rien qui remplace ça au final, à ce stade du jeu. Ça aide tellement en fait de pouvoir ignorer genre 15 de défense, là, genre la perforation. Là, c'est tellement top, la perforation. Pour les petites bestioles en fait. Quand ils ont genre 10, 15, 20 d'armure, dès que vous passez au laser, bah, vous avez une chance de pas le tuer. Genre là, j'arrivais pas à tuer un sniper quand même. Avec le laser. J'arrivais pas du tout à tuer un sniper. Ça, c'est un problème, quoi. Le sniper, ils ont 10 et 15 maximum, je crois. Même quand je tirais tout dans la tête, ça me mettait pas que j'allais le tuer, quoi. Donc, ouais, avec ça, oui. Parce que directement, ça fait dégâts 40 plus, quoi. Donc, ouais. Alors, 28, à bientôt. Faudra te mettre liquidation rapide, ça va t'aider. Et après, on aura fini avec elle. Après, je repasserai sur... sur les trucs, sur ça. Toi, Padarag, il est où? Garcia. Donc Garcia, j'hésitais. J'avais dit genre mastodonte pour bagarreur. Et ça, le cri de guerre, ça pouvait aider. Mais après, le reste, honnêtement, c'est pas très intéressant. Même inspiration, c'est pas très intéressant. Donc au final, on va lui mettre assaut. Donc du coup, il aura courir. Tir de riposte, on s'en fout. Prêt pour l'action. Oui, enfin, si pour se soigner et tout ça, oui, ça peut être pas mal. Mais après, il y a ça, liquidation rapide. C'est surtout ça. Liquidation rapide et courir. Il n'y a que ces deux-là à prendre, à la limite. Parce que il fait déjà très mal en fait. Et il a guérisseur et tout ça, ça c'est bien. Donc ouais. Ouais, je lui ai mis ça, ça fait vitesse plus 1. J'avoue que ça c'est plus résistant. Régénération et tout ça, c'est dans un sens ça a l'air un peu mieux. Mais là, il y a la paralysie qui est pas mal, que j'aime bien honnêtement. Et ça me permet de pouvoir paralyser les trucs que je veux attraper. Ouais. Je sais pas. J'hésite en fait. Je voulais tester ça, ça m'a plu. Mais on perd quand même beaucoup de défense. Ça, on peut pas l'enlever parce que la tête blindée, honnêtement, c'est le top. Surtout si on utilise. Ah, je sais pas. Ah là là, j'ai bien envie de repasser sur ça, moi. Pour qu'il soit plus résistant. Je sais pas. Là, pour attraper les Pandoriens, honnêtement, c'est pas mal. Hein. Puis la riposte, quand il se fait toucher, là, qui paralyse directement, c'était pas un nid, c'était pas une citadelle, c'était entre... Enfin, genre avec l'éclosion, là, le truc d'écloserie. Ça l'a fait, on m'a tapé, j'ai riposté avec une tentacule là et ça a directement paralysé la cible. J'avoue que ça aide.
Et après, dans un sens, j'ai envie de dire, si jamais il se fait pas toucher, ça s'arrête pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas utile s'il se fait pas toucher. Alors que là, j'ai quand même des attaques et tout ça. Donc, je sais pas. Pour l'instant, on va le laisser comme ça, parce que de toute façon, j'ai pas envie de balancer tout mon mutagène dedans, parce que j'en ai pas énormément. Mais comme on a dit, on va le mettre en assaut. 18. Donc, je vais attendre pour avoir liquidation rapide directement. Comme ça, il fera mal. Mais ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon, ben voilà, l'équipe... ben voilà, ça y est. L'équipe se débrouille bien. Attends, toi, t'as ça. Ouais. Entraînement d'infiltré. Voilà, très bien. L'équipe se débrouille très bien. Et on avait dit notre prochain, ça serait ça. Toi, t'as voleur et tireur. L'autre à la queue, tireur, en fait, c'est ça. Ouais. Guérisseur, c'est pas mal pour les points de volonté supplémentaires, à la limite, au final. Mais ouais, on a ça, très bien. Faut vraiment qu'on augmente sa volonté. Elle a une volonté de merde, mais c'est ouf, quoi. Elle a vraiment une volonté de merde. Ça me fout dans la merde, hein. Je peux pas... Elle a 4 points, je peux même pas tirer deux fois d'affilée, en fait. Je peux même pas faire ça. Je peux même pas tirer deux fois d'affilée. Je comprends pas pourquoi elle est niveau 6, lui, il a mieux, hein. C'est un mec spécial que j'ai récupéré, je me rappelle pas. Lui, il est déjà niveau 6. J'ai déjà balancé 50 points là-dedans. Après, elle a ses deux trucs. Mais il a 12, 19, 12, 15. Toi, t'as... Ah ouais, non, ouais. Ouais, elle va me... Ouais, mais après, j'ai pas pris tireur à longue portée aussi, ça. Sur lui. Ouais, lui, ça ferait 25, là. Je sais pas. J'ai l'impression que lui, il a plus de points. Il a plus de PC, en fait. Je sais pas si c'est... Faudrait calculer, en fait. Le nombre de points qu'il a en plus, en PC. On le convertit en PC. Et on voit... Ouais, ça ferait 45 points. Non, c'est peut-être logique, en fait. C'est juste que lui, bah... Ouais, il les a là-dedans. Je sais pas. Bon, après, 19 de vie, ça sert pas à grand-chose pour un sniper. Enfin, quoique, je dis ça, mais dans un sens, c'est faux, parce que... Genre, elle, par exemple, elle commence à transporter énormément de choses. Enfin, elle commence à transporter beaucoup de trucs. Là, elle est au max. Elle a une arme de chaque qui m'intéresse, et elle a un chargeur de chaque. Et c'est tout, quoi. Et elle est au max. Donc, bon. Enfin, bref. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, bah, c'était une bonne mission. On est en allié avec Cinédrion. C'est très, très bien. Je suis content. Donc, la prochaine... Donc, Helios Team 1 et 2, je sais pas trop où ils vont aller, maintenant. Peut-être continuer à détruire des trucs pandoriens. Là, genre, là, il y en a un, là. Par exemple, il y a une citadelle. Ah, peut-être qu'on fera une citadelle. Genre une deuxième citadelle pour vous montrer un peu. Ouais, on fera peut-être une citadelle. La citadelle, ça donne combien? Plus 9 partout. Ouais, 9, 8. Et les autres, c'est quoi? Ouais, c'est du pareil. Honnêtement, c'est pas beaucoup de différence. Hein. Le problème, c'est que ça donne zéro en ressources, quoi. On n'a pas envie de les faire au bout d'un moment. C'est bien au début... pour débloquer les recherches et tout ça. Là aussi, il y a une citadelle. C'est vraiment bien pour débloquer les recherches. Mais au final, c'est nul. Hein. Là, j'ai une récupération de véhicules abandonnés aussi. Il faudrait que je le fasse. Mais au final, c'est vraiment nul. Hein. Ça sert à rien. Hein. Donc ouais, on verra. Et la prochaine fois, ça va être ça. Ces missions-là, je crois que... Non, non, non. J'avais dit quoi? J'avais dit sécuriser la SPIDA aussi. Donc, ouais. Ça sera ou sécuriser la SPIDA ou la citadelle. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.